de retour pour la demi-finale. Et le tous a été gagné. Je suis toujours pas certain de. Peut-être je pourrais laisser commencer Exec, tellement il. J'ai l'impression qu'il peut rattraper le. Un mauvais début de game. Avec les 3 smites entre autres, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a le Fire of Insanity qu'on a envie de faire sur le play. Et il y a aussi les Guildgate. Là, il manque du blanc, mais bon, en même temps, je crois que c'est la couleur. Ouais, c'est la couleur qui a le plus dans le deck. Et je peux ne pas jouer avec pendant un moment. J'ai un léger doute par rapport à Staboond, qui fait que j'aurais peut-être envie de le poser non unleash. Mais je vais quand même le poser unleash. Parce que je suis pas certain encore que le Staboon ne va pas tuer la bête et que je peux avoir aussi un petit départ aggro tout simplement. Les 3 marais, c'est pénalise un peu la sortie, mais bon. Je pourrais même pas mettre 3 le prochain tour. C'est pas non plus dramatique. Tout ce qui est imbloquable pénalise mon jeu. Mais bon, on peut faire avec. Normalement, il bloque. J'aurais dû poser même Guildgate pour lui montrer que j'avais que du noir, mais en même temps, ça m'arrangerait qu'il bloque pas. Pour pouvoir le toucher au Staboon et lui mettre deux aussi au squelette. Bon, il a logiquement bloqué. Toujours un peu saoulant de finir une bête avec sa moon. On a tellement envie de mettre deux par tour. C'est dommage que je puisse pas attaquer avec ma Kerune, mais bon. J'ai continué l'agression, même si elle n'est pas énorme. Là, je rate 3 points de la Kerune, c'est dommage. Ah. Notre ami le troll.
Même pas faire moins 5, moins 5, quoi. Ce qui est un peu embêtant là, bon, le rêve, ça serait qu'il fasse scavenge et attaque. Et le fait que j'ai tapé des landes, détapé des landes, ça va pas le motiver forcément à le faire. Il va falloir piocher le deuxième Staboon. Pour assurer le kill. Il a détapé. Oh, il suffit de demander. Bon, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, son petit tapage, détapage. Je crois pas trop à un boost, mais bon. Peut-être il veut amasser des créatures. Ah, ben là, on va voir tout de suite. Putrefy. D'accord. Il y a trois cartes en main, ce qui est pas mal. J'ai pas réussi à mettre tant la pression que ça. Mais j'ai quand même un Stabound. Quelques bonnes draws quand même. Non, j'ai pas envie de Stabound 1-2-2. Ce qui me fait un peu chier là, c'est qu'il risque de scavenge le 2-2 et du coup il va devenir 3-3 sous Staboon, mais bon. Je crois que je gagnerai pas avec un juste un 1-3 qui peut reach. Sachant que ce 3-3 je pourrais le bloquer plus tard, mais. Il faut que mon Staboon il mette des points, sinon je me vois mal gagner quoi. J'ai pas un board. J'ai un board qui peut se faire facilement bloquer. Parce que bon, un 2-2 qui régène. Ah, ça c'est très bien ça. Ouais, ça fait toujours partie des petits tricks, mais j'ai cliqué vite vite sur attaquer des untap parce que ça peut faire semblant, enfin c'est pour juste faker le faire semblant de d'avoir misclick. Sait-on jamais, il y a un petit pourcentage quand même. Je peux même contrer, je peux même payer pour la grosse mana leak, quoi. Le gars paraît quoi. Grosse mana leak, c'est pour un bleu, trois incolores. Non. Et à moins que je paye 6. D'accord. Bon, c'est moins dramatique que ce que je pensais. J'arrive pas à mettre 2 points.
ça me fait extrêmement chier qu'il ait tué mon Pégase. Parce que je me retrouve comme tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il a pas grand-chose en main? Dans ce cas-là, mon 3-2 et mon 2-2 qui régénère sont toujours utiles. Ou est-ce que je garde pour Stabound et je le laisse piocher 2-3 cartes avec ça, ce qui est quand même un gros problème. Et j'ai pas envie de le laisser piocher, sachant que j'ai d'autres anti-bêtes dans le deck aussi. Donc je peux d'autres anti-bêtes et d'autres bonnes draws, tout simplement. J'ai pas envie de qu'il fasse une bête, j'en repioche une, je la pose, je réévolve, j'en repioche une. Puis surtout que lui, il va grossir, tout simplement. Ça va être un 3-3. Et c'est vrai que étant 3-3 sous Stabound, je peux mettre les derniers points, quoi. Mais je vais quand même, je vais me reposer là-dessus en espérant qu'il ait. Je pense pas qu'il ait grand-chose le tour d'avance s'il fait ça. Ok. C'est important là d'avoir pioché un petit extort. Je le dis, je le répète, c'est les derniers points dans ce jeu peuvent être difficiles à mettre. Je suis pas très loin en plus du compte. Il a une trois cartes en main si on compte la clou de stone qui va sacrifier. J'en ai zéro, mais pour le moment j'ai le board. Il a vu 3, 6, 8, 9 landes. J'en ai vu 7. Ouah, aïe, 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 aïe. Ouah, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est archi pas mon pote. Aïe, aïe, aïe. Je crois que c'est la fin de la partie, ce Guilmave. Ok. Plutôt une bonne draw. Il me laisse une opportunité de gagner là quand même. Mais bon, une faible opportunité. Mais c'est vrai que son attaque, elle sert pas à grand chose. Puisque si je gère lui. Oui, il sait pas que je vais discard, c'est vrai. Il n'y a pas cette information-là. Puis il peut piocher aussi des bêtes sur. Je vais le faire quand même maintenant, parce que je peux pas trop prendre non plus. Je suis bas. Allez. Allez, come on, un strike.
si ça. C'était du lourd. Ah, je vais avoir du mal contre son jeu. Il a un bon jeu. En fait, il a un jeu mou comme le mien, mais avec plus de spoilers. Bon, par contre, Sire Finsan ici, c'est pas combo avec mes smites. Je veux pas la niche, comme ça me permet de double bloc. Ah, je vais quand même double bloquer. Quoi qu'en même temps, j'ai perdu, donc même si je détruis lui, je pense que j'ai perdu sur Guilmage, donc je vais essayer de garder le maximum de points, tout simplement. De toute façon, avec lui qui attaque prochain tour, que je sois à 4 ou 5, c'est pareil. Oh. Et c'est perdu, malheureusement. Guilmage m'a fait trop mal. Je vais rester comme ça. Et je vais commencer. Je vais garder. Un peu déçu d'avoir perdu la game d'avant, mais bon. Ce joue vraiment pas grand-chose.
C'est très important ce land contre son jeu. Il a un jeu assez lent, il faut que je mette la pression dès le début, sinon ça va pas le faire. Ah, quand il a fait Desmond sur ma licorne, je savais que cette licorne elle allait être précieuse. Sinon, j'étais pas mal avec cette petite licorne. Aïe aïe aïe. Il y a 5 cartes en main. Un Sayer, ça serait tellement bien contre lui. Ouch! Ouais, j'ai pas le choix. C'est chiant, ça. Piocher 2. Sert à rien de lui mettre 3.
Il fait plus de cartes advantage. Ah, c'est pénible. Mais en plus, il joue même Death Bomb. Ouais, il a de meilleures cartes. C'est vrai que ce mine de rien, il joue pas des cartes de mauvaise qualité. Bah, des Unco. Et quelques rares. Et des rares. Je commence à être un peu à être out of gas. Ouais, le problème, c'est qu'il a trop de bêtes que je dois tuer. Là, il est en. Ouais, c'est vrai qu'il avait ça, je le savais. Je le savais, mais j'ai oublié. Ouais, je peux vraiment pas l'atteindre, ce jeu. Très très pénible, monsieur. Bis repetita. Ça risque d'être un peu juste. Il y a vraiment pas mal de points en fait. Stab Master. Ce sera pas suffisant malheureusement. Il a vraiment tout contre moi.
Ah, le calvaire que ça va être de suivre cette game. Lui, ça sert pas grand chose, mais bon. S'il avait envie. Il est plus à sa près. Ah, son skek 3. J'aurais peut-être pu faire la course avec, avec Staboon sur le board. Un peu dur à dire, mais ce 4-3 m'a tué. Non, ce 3-3, qu'est-ce que c'est mauvais comme carte. Mais bon, il a vu deux Staboons, c'est normal qu'il le rentre. Le fait sur le 2-5. Ok. Ah oui, c'était pas sur le 2-5 musier, c'était bizarre. Et on va taper ça. Je crois qu'il n'y a plus de cartes qui me sauvent là. Et voilà, j'ai préféré mourir tout simplement. Ah, je l'avais pas vu attaquant en fait. Ouais, de toute façon, j'étais mort, j'étais un peu ailleurs. Mais c'est dommage en tout cas. Bah, je vous dis à bientôt pour le prochain draft. Ciao, ciao.